MC en... Ouais, voici ouais, Captain Flair, c'est plus que nous son nom de champion MC. On se retrouve pour une nouvelle aventure sur Ni No Kuni 2. Dans la dernière vidéo, nous sommes rendus à Nautilia pour pouvoir construire un navire, mais malheureusement, faute de constructeur, à raison d'un monstre qui détruit les navires, nous avons été dans une grotte pour aller délivrer ces personnes et pouvoir aussi faire un navire dont le monstre était une pieuvre, quelque chose de même. Après ça, nous sommes retournés à Nautilia, bien évidemment, pour pouvoir construire notre navire, mais vu nos besoins, nous ne pouvons pas partir en mer pour l'instant, parce que vu qu'il nous faut un navire solide, malheureusement, ils n'ont pas le matériel. Alors, il faut se rendre dans la forêt de Nier pour pouvoir avoir le bois le plus dur de la forêt. Mais nous allons devoir combattre. C'est ce qu'on nous a averti, Maître Nier. Il faut nous rendre par là-bas. C'est ce que la flèche nous dit d'aller. Et voilà. Ah, c'est ça que Maître Nier avait mentionné. J'imagine que ce sont les châtaignes fantomatiques dont Maître Nier parlait. Il serait difficile de faire plus pointu, en effet. Effectivement. Maintenant, on comprend pourquoi pointu au début, dans la dernière vidéo. Pointu. Maintenant, on comprend. Alors, c'est le moment d'utiliser ce qu'il nous a donné. Maître Nier avait raison, elles ont disparu d'un coup. On peut dire que ces mixtures tombent bien. D'un côté t'as un monstre, et de l'autre côté qu'est-ce que t'as? Pas grand chose. Allons combattre. Ça va nous faire divertir un peu. Oh, c'est dommage qu'on peut pas descendre par là. Directement. Ça c'est dommage. Bon, on va combattre. Watch your backs. Je savais pas que qu'il y avait des champignons. Je me demandais qu'est-ce qui restait. J'ai compris là. Un champignon qui restait. D'accord.
par là qu'on va débloquer le 5, le dernier qui manque. Le dernier point de voyage. Bon, la suite. C'est comme une sorte de labyrinthe, suite, dans le fond. Et voilà le point de voyage. Qu'est-ce que je disais? Que disais-je? On arrive bientôt. Qu'est-ce que je disais? C'est le dernier. Je crois bien que nous sommes arrivés, je pense que c'est ça. C'est ça, c'est les armes. Ou c'est ça que de l'acier. D'accord. Oh wow, il est gigantesque ces arbres. Il n'y a plus à dire, il porte bien son nom, il a l'air solide comme du fer. En train de faire quasiment. Oh shit, je viens de voir l'arbre, c'est vrai qu'il est immense. On va avoir un bateau complet! Maître Nier avait parlé d'un monstre dans les environs, mais je ne vois rien. Et il faudra l'affronter, bien évidemment. Ne baissons pas nos gardes, notre adversaire pourrait très bien déjà nous avoir repérés. Je vous laisse sans dire quoi que ce soit.
no! Malheureusement, je n'ai pas vaincu après trois fois. C'est pas évident. Par contre, la dernière fois, ça a été mieux, mais pas assez. Mon faux. Parce qu'un. Bon, commençons à battre les petits adversaires. Ok, le gros soldat qu'on est pas assez... C'est vrai qu'ici c'est du niveau 32. D'accord. On n'est pas... C'est le combat qui nous a mis qui a fait mal. C'est niveau combien? Parce qu'on est juste niveau 22, hein? Il y a 20 juin? 22, 23. Yum, mon jeu qu'on est pas fort. Il faudrait que je combatte. Et pas à peu près. Parce que le niveau, il est. Notre niveau, peut-être pour ça aussi qu'on est mort aussi facilement. Ha! J'ai même pas activé. Wow! C'est sûr que j'ai pas été proche. 32, 26. Tout au-dessus.
Oh, je vais m'entraîner comme ça, hors caméra, et je reviens quand je vais être prêt. Oh, mais avant, allons voir ce mousse. Lorsque l'objet souhaitait être un objet sombre, amplifiant un pouvoir magique semblable aux ténèbres. Celui ou l'autre? C'est pas ça. C'est pas plus ça. Je ne sais pas c'est quoi. Une chose qui est sûre, c'était pas ça. Bon, je vous laisse. Hey, je viens de pogner une technique. Vous allez voir la technique. Surtout avec l'autre. L'autre, c'est une bonne façon de se pratiquer. Juste ça, ça va se faire. Ma technique préférée. Ça, la facilité, c'était au plus haut niveau que moi, hein. Je faut vous dire, je m'en vais avec l'autre. J'ai pogné la technique un peu tête. Voilà, c'est simple que ça. C'est ça, c'est la technique. Oh, ça serait pas vrai. Peut-être cher, mais il faut. Mais avais-tu vu ça? C'est cette technique-là que je vais utiliser pour le vaincre. Ça a l'air presque facile. Bon, c'est pas évident non plus. Là. C'est pas maîtrisé à 100%, mais c'est déjà pas pire. Qu'est-ce que je veux juste faire? Je veux juste faire ça. En train de faire juste une boucle comme ça. Je m'en vais là pour retrouver. Ils réapparaissent automatiquement. Hein? Pas pire, hein? Bon, je vous laisse. C'était juste pour vous montrer la technique. Et là, je vous laisse. Bon, je réessaye.
was useful. Ok, c'était long. Et voilà le travail. Bim bam bang. Maintenant, on va pouvoir découper l'arbre tranquillement. Allons vite faire part de notre avancée à Amar pour qu'il commence les préparatifs. Ce que ça a été difficile. Elle est venue par la voix. Bien sûr, elle sait. C'est ça, wow. Je suis rendu au niveau 25 avec Evan. Oh, 24 relents. Oh. 25. Oh. Parfait. Je vous dis que ça n'a pas été évident. Ça, je peux vous le dire. Je sais pas combien de fois que j'ai recommencé. mon dieu. Avant, j'ai fait 3 fois avant de faire augmenter mon niveau. Puis après l'augmenter, j'ai fait 3-4 fois. J'ai manqué. La première fois était possible. Je me disais, bon, je pense que je vais être correct. Après ça, j'ai attendu un peu. Je pense que j'ai attaqué. Non, pas attaqué. J'ai juste. J'ai fait de quoi, je m'en souviens plus, puis là j'ai réessayé, puis là voilà, c'est réussi. Après quelques essais aussi par la suite. Alors, comme ça, ils avaient trouvé du bois aussi dur que du fer dans la forêt de Nir. Quoi? Il n'y a pas à dire, vous êtes balèze, hein? Croyez-moi, il n'y a plus grand plaisir pour des constructeurs de bateaux comme nous que d'avoir l'occasion d'utiliser le pouvoir de ce dont on veut, de ce bon vieux Nir. Un peu de musique, c'est du québécois, c'est quelque chose. Sa lecture est différente du parler. C'est ça la différence. En tout cas, de notre côté, on est prêt. Ne vous inquiétez pas. Bon, ça, c'est pas du québécois. Ne t'inquiète pas. Ça, par contre, c'est du québécois. La découpe et le transport du bois, ça fait aussi partie de notre travail. Allez, tout le monde. On se bouge. On va récupérer tout ce bon bois dans la forêt de Nir et que ça saute. And just like that, Evan had found himself the finest boat builders in all the land, and some timber worthy of their expert attention. Eager to get to work after their recent ordeal, the men of Capstan set about putting together a ship fit for a king. And before long, a magnificent vessel that no wave could hope to topple was all but ready to set sail. Oh, my!
why? Voilà, nous avons enfin notre bateau. J'écris un instant que c'est le chapitre suivant. En même temps, on n'a pas fait grand chose pour terminer le chapitre quand même. Je trouvais ça un peu rapide aussi. Blimey. Il est trop classe. C'est un bon avis. Nous allons enfin pouvoir nous rendre à Silicon. Et votre majesté, ça vous dérange pas que je rejoigne votre royaume? Oh! Hein? Bah, c'est que c'était vraiment un travail très valorisant que d'observer, que de bosser sur votre navire. C'est sérieux? Ça serait bien de pouvoir travailler de nouveau de cette façon. Et puis, il vous faudra bien des personnes pour l'entretien du navire, non? C'est vrai, je serais plus tranquille si c'est toi qui t'en occupe, Amor. Tu es le bienvenu à Espérance. Quoi? Je suis soulagé. J'aurais été bien malin si vous refusiez. Après en avoir parlé à notre boss, mais peu importe, ravi de bosser pour vous. Bon, le bateau est prêt, mais il reste quelques petites choses à régler avant que vous partiez. Hein? On peut pas y aller tout de suite? Désolé, mais faut tout savoir parfait. Tout serait parfait, surtout pour un long voyage comme le vôtre. Du coup, on a du temps devant nous, hein? Retournons à Espérance et finissons de bien nous préparer. Allons-y. Bon, on retourne à Espérance. Au fait, c'est le cas, c'est quelle sorte de pays? J'espère qu'on y mange bien. C'est un royaume bâti sur l'eau où vient ensemble humains et ondins. Une reine du nom de Nerenda en est à la tête. Quand elle cuisine, la cité est paraît célèbre pour ses plats à base de poissons et fruits de mer. Ah, t'es calé en dis donc. On apprend beaucoup de choses dans les livres. Je sais bien qu'on y va pour conclure le traité, mais je suis aussi impatient de voir à quoi ressemble cet endroit. Ce serait en effet une bonne façon de voir comment les autres pays fonctionnent. Votre Majesté, le bateau est prêt à lever l'ancre. On l'a amarré comme prévu sur la côte près d'ici. À vous de l'utiliser quand ça vous chante. Yes! Merci beaucoup, Amor. Allez, c'est parti pour Silicon. Pour ça que les ennemis... Comment ça va fonctionner sur l'eau? Je me demande vraiment comment ça va fonctionner. Probablement on va marcher sur l'eau. Quelque chose de même. Est-ce que je le garde pour les prochaines vidéos? Attends un peu, qu'est-ce qu'on a fait? On a été chercher du bois, ça a pris quand même un certain temps. Bon, ça sera une courte vidéo. Alors pour ça, ça va être tout pour cette aventure. Pour cette vidéo. Ah, j'ai hâte. J'ai toujours hâte à la suite. C'est incroyable. Même si je suis pogné sur d'autres jeux, j'ai toujours hâte à la suite. Je me demande quand même comment ça va fonctionner, le combat naval. Chose que on n'a pas encore fait, évidemment. On a quand même... De mon côté, moi ça a été long, mais de votre côté, ça a été, comme vous pouvez voir, c'est court quand même. Pas trop long. Parce que j'ai eu de la difficulté. Ben oui... Ah, pour ça, ça va être tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez bien aimé cette aventure. De mon côté, j'ai bien aimé, malgré que ça a été un peu long. Je sais qu'il va falloir que j'augmente mon niveau absolument, parce que sinon, je m'en sortirai pas. Ça, c'est garanti. Ah, pour ça.
et c'est pas à rejoindre mon équipage sur le navire de l'Est. Vous pouvez toujours me suivre sur Facebook, Twitter ou encore aller visiter mon site internet dont le lien est sur la bannière de ma chaîne YouTube. Vous pouvez toujours aussi aller sur mon serveur Discord dont tout le monde est le bienvenu. Alors pour ça, je vous dis bonne journée, bonne soirée. On se retrouve pour une nouvelle aventure sur Ni no Kuni 2. La série à laquelle qui va se faire au complet. Oui. Même si c'est pas la série qui pogne le plus. Mais ça, rendu là, je m'en fous parce que je veux le faire au complet. Là, c'est l'aventure de Ni no Kuni 2. Alors pour ça, je vous dis merci à tous.